Voilà. Yes. On voit ça à Twitter. Et bienvenue, bienvenue tout le monde sur un nouveau live sur Harry Potter, hein, voilà, Harry Potter, le secret de Poudlard, hein, on va y arriver, comme d'habitude. Alors, je vérifie que tout fonctionne bien. Ma voix, c'est bien celle du micro de mon Rod. Et normalement, vous avez le son du jeu, vous avez l'image, vous avez tout le monde. Hey! Ça y est, je vois la masse de coucou, 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 coucou. Comment allez-vous en ce mercredi après-midi? Du coup, ce soir, il n'y a pas de vidéo, c'est pour ça que je live. J'ai eu un petit souci, donc du coup, il y en aura une demain et vendredi. Peut-être samedi et dimanche, je verrai. Mais du coup, ouais, on va poursuivre notre aventure avec Doomsday, hein, notre petit Doomsday. Et vous souvenez-vous, on devait affronter Merula. Et oui, c'est le moment d'affronter Merula. Dites-moi au niveau du son si ça passe, si ça va. Souvenez-vous, on devait... Normalement, c'est bon. Je me suis écoutée 2 secondes. Il est où ton passant à make-up? Mon passant à make-up, bah, il est là-bas, je l'ai pas appris. J'aimerais trop m'acheter une petite baguette. Faudrait que je vois ça lors d'une convention ou un truc comme ça. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, mission. Hop, allez, étage inférieur, on va aller voir Merula. Ça commence direct avec de la castagne. Cours. Arrêtez Merula. Tiens, tu t'es cassé le nez. Ah mince. Ah, ça doit faire tellement mal. Ça doit faire... par contre, le son du jeu, il est pas très fort, mais c'est pas ma faute. Je préfère le répéter, hein. Merci, Sirocco. Alors, let's go. Putain, il y a du monde, dis donc, pour notre affrontement. Mais attendez, il y a eu des flyers qui ont été distribués ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, Rowan? Merula menace de s'en prendre à Ben Cooper. Il essaie de l'éviter, mais elle ne le lâche pas. Mais c'est une folle, celle-là. C'est une folle. Tu fais honte à tous les les premières années. Alors, les amis, je vais avoir peut-être un peu mal à parler. J'ai tourné 2 vidéos avant ce live et j'ai pas arrêté de parler. Donc là, je suis... Pouf! Laisse tomber. Laisse-moi tranquille. Je comprends pas pourquoi Poudlard peut accepter un sale sang de bourbe comme toi. Il faut laisser la magie aux sorciers et aux sorcières dignes de ce nom. Intervenir, distraire Merula. Putain, je peux pas intervenir, c'est bloqué. Oh, chiotte, j'ai pas assez de courage. Distraire Merula. On va la distraire. Ah, tu t'es ouvert la tête. Non, mais ça va, là, vous avez fini de... je sais pas ce qui vous arrive, là, restez tranquille. Tout va s'arranger, Merula. Qu'est-ce que tu racontes? Tes parents finiront par quitter Azkaban, même s'ils se sont tournés vers l'obscurité, tu n'as pas à suivre leur voie. J'avais pourtant dit de ne plus parler de ma famille. Oula, tu n'apprends jamais de tes erreurs, ouais, c'est bien mon nom. Merula, va plutôt rejoindre ton taré de frère et disparaît une bonne fois pour toutes. Si tu disparaissais toi, ça arrangerait pas mal de monde. Tu comptes intervenir, Day? Vous m'avez dit qu'il fallait défier Merula. On va la défier, mais je crois que c'était elle qui devait attaquer la première, si je me souviens bien. Je me suis pété le pied, non mais arrêtez, vous foutez de moi là. Alors, je suis prête à t'affronter si tu ne me laisses pas le choix. La première clé ne t'a pas suffi. Une ratée comme toi n'a aucune chance. Tu ne feras plus de mal à personne. Regardez, pas content, pas content. C'est nimp. Flipendo! Ah! Je suis tombée! Ouille! C'est nimp! Leur tranche dans ce jeu. What? Dans tes rêves, des. Ok. 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 Oh non, c'est ça, il commence. Allez, vas-y. C'est parti. Alors. Défense, je suis sûre, elle va attaquer. Bim, ça c'est bon. Lancer fiole, posture, soin important. Non, chance de réduire. Hop. Ah, bim. C'est très intense ça comme combat. Hein. Mais je viens de dire qu'il y a Lily, je viens de dire qu'il n'y avait pas de vidéo ce soir. Alors, sournoi, défensif, sournoi. Je pense qu'elle va se défendre. Ah non, elle a attaqué. Putain, elle fait que de l'attaque, elle. De l'endurance. Ok, elle a pris quoi? Putain, ça fait plus mal.
Je sais pas, j'ai peur que si je mets agressivité, elle m'a... On va essayer. Ok, on est tous les deux matchs nuls. On part sur une défense. Elle fait caca. Akake, tu fais caca, mes roulas. Je vais prendre un soin. Putain, la connasse, elle a pris un soin. Bah vas-y, je vais en prendre un aussi. Pas de soucis. J'ai le temps de boire, moi. Je me suis ouvert le cul. Ouais, bien sûr. Allez, prenez-moi pour une idiote. Allez, défense. Allez, hop. Normalement, j'ai mis défense. Défense. Putain, ça va être chaud. Chier. Non, pas Rictus Empra. Putain. Non, elle m'a mis Rictus Empra. Agressivité. On a... Allez, vas-y. Oh putain, mais elle fait tout le temps les mêmes choix que moi. Défense. Putain, elle a fait la même, match nul, ok. Agressivité. Putain, mais je... Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Lancer Fiole et Expelliarmus. Ah merde, faut que je le fasse. C'est pourquoi tu rigoles, toi, derrière, là. T'es pas censé être avec moi. Ah non, c'est une serpentard, j'avais pas vu. Ta. Bim. Sournois, je me suis ouvert le si. Bah ça y est, vous êtes parti. Ça fait quoi 6 minutes que j'ai commencé, vous commencez déjà les conneries. Vous êtes grave. Ouais, ça c'est bon, défense. On va lui enlever de l'endurance. Oh putain, on y est presque. J'aurais dit sournois, mais j'ai peur qu'elle utilise agressivité. Je sais sournois. Putain, chier. Je joue à Harry Potter. Harry Potter et Secret à Poudlard. Putain, on n'y arrivera jamais. Hein. Revenez dans 10 ans, les gars. Défense. Ouais, c'est bon. Tu vas la tuer. J'ai pas trop besoin de me soigner, ça va. Est-ce que tu peux clamser là, mes roulards? Oui, on l'a eu. Yeah. Eh ouais, tu fais moins la maligne maintenant. Mes devoirs, tu le fais exprès? Absolument pas, Lily. Allez, Expelliarmus, une dernière fois, hop. Hop. Bim. Salut. Alors, ça bug ou... je pense pas, j'ai de la bonne connexion. Hein. Normalement, ça devrait être bon. Comment as-tu pu apprendre ce sort? C'est de la triche. C'était démon Dooms. Tu ne peux pas me surpasser. Personne ne peut me surpasser. Putain, alors c'est le démon incarné. C'est fini, Mirula. Fais tes excuses à Ben Cooper et arrête de harceler les gens. Il est bon à rien et les sorts de bourbe ne méritent aucune excuse. Oh, Rogue. Prosternez-vous. Prosternez-vous devant Merula, Viperine ou je sais pas quoi, Serpentard depuis 4 générations. C'est moi qui commande ici. Je suis la plus... Eh oui. Oui, rediffusion. Oh, professeur Rogue. Professeur Rogue, en effet... Vous semblez fautif, Day. Savez-vous ce que vous encourez en participant à un duel à Poudlard? Oui, professeur. Avez-vous lancé le premier sort au cours du duel, Miss Day? Non, mais Rula m'a attaqué en premier avec Flipendo. Mademoiselle Viperine a lancé le premier sort, professeur Rogue. Mademoiselle Day n'a fait que se défendre. Je me demande où elle a bien pu apprendre le sortilège de désarmement. Décrassez-vous et venez me retrouver au tour ouest pour répondre de vos actes des... Hey, Emeroula ! Arrête... What ? Emeroula, sentir comment ? C'est n'importe quoi ! Je t'écoutais ? Je suis saoulée ? Je suis au bout de ma vie ? Je suis dégoûtée ? Du coup, j'ai un cours. Attendez, j'ai pas compris ce que... Terminez vos leçons. Ah, je dois aller en cours. Attendez, je dois pas aller déjà au bureau de... J'ai des potions?
Potion de sommeil. Alors, attendez. Tour ouest. Je vais voir, faire un tour, voir si je dois aller le voir tout de suite ou pas. Oh! Qui connaît le mot de passe? Dites-moi dans les commentaires. Dans ceux qui ont vu Harry Potter. Le du bureau de Dumbledore. Si vous êtes des vrais fans, des fans, vous devriez connaître. Elle est où ton bébé chat? Indy, elle est... Je vous jure, elle est juste là. Vous la voyez pas parce que j'ai... c'est pas la bonne caméra. Mais elle est là et est allée sur la table basse. Alors, attendez. Salle de Gryffondor. Toilette des préfets. Salle de Sarin. Oh, Nick quasi sans tête. Citron sorbet. Yes, les amis. Citron sorbet. Ça, c'est le mot de passe le plus pourri du monde, quand même. Bon, bah, apparemment, il faut que j'aille en cours. Bon, on va y aller. Hein. C'est pas grave. On va faire un petit tour. Citron sorbet, bah oui. Malfoy ma vie. On va commencer un petit cours. Bon, avant d'aller se faire engueuler. C'est dégueulasse, franchement, c'est du favoritisme. Favoritisme. Alors, j'ai préparé un cours sur un sujet très important. Ouvrez grand vos oreilles. Pensez. Je me demande quel type d'élève était le professeur Flitwick. Ah ouais, t'es dans la lune. Imitez la position. Vos épaules doivent se trouver juste au-dessus de vos pieds. Citron d'orbe. Vous avez du mal à écrire pour certains. A une maîtrise totale de sa baguette. Chuchoté à Rowan. Dans ce cours, je suis dans mon élément. Très bien, Rowan. Regardez. Tu pourrais faire des lives ou vidéos avec Sunsup sur Friday. Faut que je vois. Sunsup n'est pas tout le temps disponible, les amis. Hein. Sunsup, elle a arrêté YouTube. Elle est dans ses études. Hein. Elle n'est pas tout le temps dispo. Hein. Je vais prendre en courage. Il modifie la façon de marcher. Quel est l'effet du sort de Supéfix? Il étourdit, il modifie la façon de marcher. Supéfix, il étourdit. Ah, j'ai eu peur. Parce qu'à la base, il paralyse, mais... Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Je vais très bien, Émeraude. C'est le code jusqu'au pied... 1064? Pourquoi le code? Le code de quoi? Se prépare à lancer. Je pense que vous êtes prêts à faire un essai. Tentez donc de lancer le sort. Je vais m'entraîner. Florina, c'est gentil, merci. Lucie, double, je t'aime! Réranger. Hop. Je vais prendre... En point de je sais plus quoi. Il est temps de lancer mon sort. Allez. Je sais plus, c'est lequel? C'est Wingadou Yevocha? Je crois que c'est ça. Doomzi, Doomdinia, au rapport. Nadège, j'ai pas vu ta question. Récupérer. J'ai pas la Nintendo, il faudra que je me l'achète. Alors, j'ai terminé. Bah c'est bon. Bah j'y suis déjà. Bah ouais. What the fuck. Ah, je peux parler aux gens. J'aimerais pouvoir dire que Ben a l'air plus confiant, mais bon. Ok. Aujourd'hui, nous allons prendre Wingardium. Mais je l'ai fait. Je sais pas ce que j'avais fait. Attendez. Terminez vos leçons, chapitre, tâche. Oh, faut que je refasse ça. Tiens, en parlant, j'ai vu... faut parler d'amour sucré, amour sucré. Je le répète encore une énième fois, s'il vous plaît. J'attends comme vous le prochain épisode, peut-être même la bêta. J'aurais peut-être accès à la bêta, mais je suis comme vous. Tout le monde me demande alors c'est quand le prochain épisode. Mais ouais, c'est pas moi qui l'ai fait les épisodes. Hein. Je suis comme tout le monde, j'attends. C'est moi aussi, je suis très impatiente de découvrir la suite. Mais je... Pour l'instant, voilà, j'attends.
Une des compétences de base des sorciers est la lévitation, c'est-à-dire la capacité à faire voler les objets. N'oubliez pas que le petit geste du poignet que nous avons appris vit et appuie. Oh, la prononciation. Je vais vous faire une petite démonstration. Ok. Il y avait tout à prendre. Ah, c'était Lumos que j'avais encore appris, d'accord, ok. Attends, je suis en retard. Bah, je sais que Rowan, c'est une fille. Pourquoi? T'avais des doutes? Poser une question. Excellente question. Ta tête m'a manqué. Ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas live avec vous. Oui, oui, je verrai. Arrêtez de me poser des questions en disant « Tu peux faire une vidéo avec un tel, tu peux faire une vidéo... » Les amis, c'est pas... Je claque pas des doigts et je n'ai pas tout ce que je veux comme ça. Parfois, il y a des emplois du temps, ça coince, il y a des choses, on peut pas, des trucs... Il y a des fois... Vous en faites pas, il y a... Comment vous dire? On dirait que vous demandez des choses et que, voilà, faut claquer vous claquez des doigts et vous voulez tout de suite. Non, je peux pas faire de vidéo avec Sora quand je veux. On a deux emplois du temps chargés tous les deux. Sunsup, elle a arrêté, elle est sur ses études. Vous avez bien vu qu'elle est plus active sur sa chaîne. Donc posez-vous déjà, répondez déjà à des questions que vous... Non, répondez déjà à des questions que vous pourriez vous poser. Voilà. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je veux dire. Est-ce que j'espère que vous m'avez compris. Ah, merde. Moi, je suis Gryffondor. Posez-vous des questions. Voilà, c'est ça. Et essayez d'y répondre vous-même. Par vous-même avant de me spammer. Ben, je vais arriver, putain. Élève de Gryffondor, tu comprends quelque chose, toi? Mais oui. Dooms qui pète un câble. Non, mais bon, j'en ai marre d'être spammé de... Fais ceci, fais ceci, fais... Waouh, c'est bon, quoi. J'essaie de vous faire plaisir en faisant des choses et tout, et j'ai l'impression que ça suffit jamais, parfois. Concentrez-vous sur ce point et mémorisez-le. Je suis pas un robot, les amis. Vous m'entendez plus? Est-ce que Zelda... ton style de jeu. J'aime beaucoup Zelda. J'aimerais beaucoup faire le dernier sur Switch, mais j'ai pas encore la Switch. Donc c'est énervé. Non, mais je préfère vous le dire clairement, quoi. Pour les garçons, Rowan, c'est un garçon. Bah, peut-être que c'est un nom unisexe. Je peux commérer. Lingua a utilisé la lévitation. On n'arrive plus à le faire descendre. Il est super long, dit donc, ce truc, hein. Oh, alors c'est comme ça que fonctionne ce sort? Ça semble compliqué. Oui, je connais Thibaudot. Oui, alors vous posez la question, pourquoi mes points d'énergie ne baissent pas, tout simplement parce que c'est une version peu légale que j'ai eue grâce à un ami, qui est juste sur PC, donc c'est pour ça que je peux, donc voilà. Dire que j'ai cette chance. J'ai pas vraiment de jeu préféré. Moi, non, je pense pas. Une posture est une position adéquate, sont essentielles pour lancer des sorts. Observez plutôt. Je veux qu'essayer à observer et apprendre. Merci beaucoup, juste Laurine. Ouais, je suis hyper régulière, je fais vraiment... Je fais en sorte que je fais des jeux qui vous plaisent, vous me recommandez des jeux et tout, donc à un moment donné, arrêtez de demander tout le temps, quoi. Je fais ce que je peux, hein. Il est hacké, tricheuse. Ouais, mais sinon, j'avançais pas, donc bon. Dooms et League. Dooms la tag. Chut, faut pas le dire. Ah, je peux avoir... Ouais, je vais prendre des points surtout. Je veux beaucoup d'empathie. Qui serait capable de nous montrer cette posture? Doomsday, avec moi dans l'allée, je vous prie. Faire une démonstration. Dooms, c'est une licorne du futur. Fais la taille de ton chat, tu m'étonnes. Wow, c'est simple, ça va. Ah ok, je t'ai fait un truc... ça ressemble à du caca, mais bon, j'ai l'air contente. Deuxième année, Margot? Eh ben dis donc.
Miss, désolé, ma version est top secrète. Et de toute façon, elle est uniquement disponible sur PC, donc... Bah oui, vu que maintenant, je pense continuer le jeu, j'aime beaucoup l'histoire, en fait. Professeur, est-ce que vous... Ah, putain, ça fait mal. C'est les vieux ça et pas les vieux ça. Référence du film, bah, tout à fait. S'entraîner à la magie, les amis, il fait trop chaud, je vous jure. Je sais pas s'il fait chaud chez vous. Mais alors, chez moi, je meurs. Je finirai à poil, là. Laisse tomber. T'es génial, fais ce que tu veux. C'est pour ça que moi, je suis... C'est parce que j'aime... Merci beaucoup, Just Ma Mania. Alors, le sortilège, je ne m'en lasse pas, tu m'étonnes, moi aussi j'aurais aimé aller à Poudlard. J'attends toujours ma lettre. Je pense aussi, ouais, Lyon, il faut que j'en parle à Sora. Il est temps de lancer le sortilège de l'élévation. Alors. Ouh, oh, je crois que je me suis merdée, non? Hey! Je suis trop forte. Donc sa poêle, on s'en jaille. Ouais, ouais, allez, tous à poil, les amis. Bon, il fait trop chaud, je vais faire des vidéos quand il fait chaud. GG, ma petite Dooms. Bon, regardez-moi cet air satisfait. Regardez-la. Récupérer. Chapitre 5 terminé. Chapitre 6. Un bien étrange couloir. Après avoir remporté votre duel contre Merula, vous devez rendre des comptes au professeur Rogue. Mais un nouveau mystère se profile déjà à Poulard. D'accord, il fallait déjà que j'aille en cours avant. Moi, je veux trop faire, je veux tout faire tout de suite, donc... Bon. Un nouveau mystère. On tourne et on abaisse. Vous avez plus de sous? Non. Toi, t'es en jean, Lyon? Oh putain, t'as de la chance. Hein. Il fait super chaud, moi, dans l'appart. Hein. Ok, tu sais qui je suis? Oh, elle est belle, Penny. Ça t'y reprend? Disons que tu es Penny Waywood. Tu es la fille la plus populaire de première année, alors que moi, j'ai pas trop la cote. Moi, je suis le petit pâté qui pue. Penny, c'est vrai? C'est pas vrai du tout, Dooms. Tout le monde parle de tes exploits contre Merula Viperine ou Viperion Baird, la connasse. Sans parler des rumeurs à propos de ton frère. Je peux faire quelque chose pour toi? Je voulais te remercier, Poudlard est censé être une école agréable, mais Merula nous pourrissait la vie. Je suis contente que tu aies empêché Merula de s'en prendre de nouveau à Ben Cooper. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. C'est vrai, mais tu as le courage d'intervenir. J'espère que le professeur Rogue ne t'en tiendra pas à rigueur. Ouais, j'espère aussi. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir, Dooms. Je suis au courant des commérages de Poudlard et je m'y connais pas trop mal en potions. C'est gentil, Penny. Elle est cool. Merci Dooms, à une prochaine. Penny est une gratteuse? Genre, vous croyez? Ah! Maintenant que Mademoiselle Day est ici, nous allons pouvoir aborder votre sanction. Il me semble... Oh, la tête qu'il a, il a l'air complètement blasé de la vie. Il me semble qu'un renvoi va de soi. C'était pas de faute, professeur! Je n'ai fait que me défendre contre cette psychopathe. Mais regardez, c'est toi la psychopathe! Regarde-moi ce sourire! Selon les témoins, vous avez lancé le premier sort, Mademoiselle Viperine. Cela n'autorise toutefois pas Day à riposter. Ouais, j'aurais dû me laisser mourir totalement, voilà. Depuis votre arrivée, vous avez combattu dans le couloir, dérangé ma salle de classe et pris part à un duel. Et ce, après tous les ennuis que votre frère a causés à Poudlard. Pour quelle raison faudrait-il vous épargner la plus haute sanction, Day? J'ai aidé mes amis. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas quoi répondre là. Je sais pas. Je pense que j'ai aidé mes amis. Mais Roulin, n'arrêtez pas de nous harceler, mes amis et moi. Je n'ai rien fait de mal. Il est interdit d'utiliser sa baguette pour attaquer un élève. C'est une faute grave. J'ôte 20 points à Gryffondor. Enculé. Comme je lui disais, un renvoi s'impose en cas de duel dans l'enceinte de l'école. Ouais, 20 points, un envoi, c'est bon, tu peux me laisser tranquille maintenant. Hélas, notre bon directeur manque parfois de rigueur. Selon lui, votre renvoi n'est pas justifié. Si l'une de vos participants encore à un duel à Poudlard, je vous garantis que vous ne serez pas aussi chanceuse.
Par contre, je trouve ça... Oh, comment il s'appelle, lui? Oh, je sais plus. Qui a-t-il? Ah, Monsieur Ruzard. Professeur Rogue, venez avec moi, c'est au sujet des caves. Et de ma chatte. Ma chatte. Vous avez tué ma chatte, Monsieur Potter? Excusez-moi, je suis tapée dehors toute seule. Comment ça s'appelle? C'est Misty? Mystique? Je sais plus comment elle s'appelle. Retournez à vos salles communes. Il parle seulement des caves maudites. Pourquoi Merula s'intéresse-t-elle aux caves maudites? Il vaut mieux que je les suive. Elle est rogue. Alors, meuf, t'as tout compris. Tu viens de te faire enlever 20 points. Oh, déjà, je trouve ça dégueulasse parce que Merula, elle s'en tire énorme. Elle s'en tire sans rien alors que c'est elle qui a engagé le duel. Et toi, Doom, t'as rien compris. Tu viens de te prendre des sanctions. Ah, je vais encore les suivre histoire de bien m'enfoncer encore. C'est n'importe quoi. C'est Misty Gris. Mistaigne? Mistaigne ou Misty Gris? Non. Mistaigne, Misty, Mistaigne, c'est Mistaigne, Misty Gris. Mistaigne. Ah putain, je suis mort de rire. Ma chatte. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai à faire? On y va, hein. Je suis folle, de toute façon, alors. Je vais les suivre. Je crois que ça, bah, ça a toujours été un salaud, hein. Salaud! Il y a juste à la fin, on l'aime bien. Oh, regardez, ah, il est avec Mistaigne, justement. Allez, on y va. Disparaît! Chut! Qu'est-ce qui... Qui est-ce qui parle avec Rogue? Tu le fais exprès ou quoi? C'est Monsieur Ruzard, le concierge. Il essaie d'attraper les élèves qui enfreignent les règles. Il parle des caves maudites. Si tu arrêtais de causer autant, je pourrais peut-être en savoir plus. Qui d'autre est au courant? Y'a que moi et Mistaigne qui avons vu la glace. J'allais rapporter l'indice auprès du directeur. Je vais en informer le professeur Dumbledore. Cet incident est peut-être lié à l'affaire Day. C'est vrai que les caves contiennent de l'or, des prophéties et des artefacts datant d'avant l'existence de Poudlard. Day a perdu la boule en essayant de les trouver, c'est ça? Ne vous inquiétez pas de ce que renferment les caves. Contentez-vous d'y interdire l'accès aux curieux. Verrouillez la porte et faites-la surveiller. Oh! Quelle affaire Day? Qu'est-ce que ça peut faire? Il s'agit d'un autre indice lié aux caves maudites. Tu crois à l'existence des caves maudites? Et tu essaies de les trouver? Pourtant, tu as accusé mon frère d'être fou. Même si je comptais t'en parler, tu crois que je prendrais le risque de me faire pincer par les sadiques de Poudlard? Ok, bah salut. Foutu à putain de vent. Elle n'a pas tort. Je vais aller raconter ce que j'ai entendu à Rowan. Oh, c'est intéressant. Le jeu est super intéressant, hein. On va aller la voir. Merci, Lenny. Ouais, j'avoue que Merula a un petit côté ambre. C'est peut-être parce que mon intonation est très semblable à celle que je prends pour ambre, mais... Ouais, dans son comportement un peu. Tu m'as tout spoilé, bah excuse-moi. J'y peux rien, j'ai envie de jouer. J'essaie juste de vous lire. Mais non, Rania, si ça se prononce bien, on a encore une bonne demi-heure là. Alors, quatrième, tu es toujours là? Je pensais que tu... ok, maintenant je t'inquiète, je suis toujours la quatrième. Ah, elle est où? J'arrive pas à... Ah, parce que c'est toujours un bout de table. Ah, là voilà, c'est bon. Et on continue de bouffer. Ça va, Rowan? J'ai une peur bleue quand Merula t'a lancé le sortilège du repousse-tout. T'inquiète, je vais bien. C'est pas la première fois qu'on m'envoie au tapis, hein. Je finis toujours par me relever. Tu vas pas me croire. C'est un miracle que tu sois encore ici, Doomsrog, et Flitwick était furieux après ton duel contre Merula. Merci encore de l'avoir remise à sa place. Tu nous as sauvés. N'exagérons rien. Par contre, je crois bien être maudite. Comment ça? J'ai suivi Rogue et Monsieur Ruzard dans un couloir. Ils ont parlé de glace et de cave. Comme dans ta vision? Ils ont dit que c'était lié à l'affaire Day. En général, j'ai assez de jugeote pour comprendre ce genre de choses, mais là, je suis perdue. Je ne comprends pas, moi non plus. Mais ensemble, on arrivera peut-être à percer le mystère. Je vais te raconter ce qui s'est passé. D'accord, et là, je lui blablate. La bouffe, c'est la vie, oh, tellement. Ok.
Je suis toujours prête à t'aider, Dooms, mais j'ai un peu peur de Rogue et Ruzar. Et voilà, et c'est reparti. Il passe leur temps à bouffer, putain. Alors, si on se fait surprendre... ça n'arrivera pas. Ouais, ça n'arrivera pas, t'inquiète. Ici, on se fait sur... ça n'arrivera pas, ok. Ta vision m'inquiète. On va résoudre ça ensemble. Ça va. Il faut bouffer dans le jeu, tu m'étonnes. Tu m'as un peu rassurée, mais il y a encore un paquet de trucs qui peuvent mal tourner. Tout va bien se passer. Laisse-moi t'expliquer mon plan. Alors, et Rogue je sais pas quoi lui... Ma Rogue m'adore. L'ironie. Tu trouveras un plan génial. Allez, tu te démerdes un peu. C'est bon. Tu vas m'aider. Exact, Flavie. Je le sens beaucoup... je le sens beaucoup mieux, Dooms. Mais il y a encore deux ou trois trucs qui me tracassent. Je vais répondre à toutes tes questions, Rowan. Tout va marcher comme prévu. Ouais, bah, t'es un peu trop optimiste à mon goût. Et les cafodites? C'est chaud, quoi. T'es un peu trop confiante en disant tu briseras le maléfice, on sait pas du tout ce qui nous attend. On fera en sorte de survivre. Voilà, moyen, moyen. Ouais, ça donne faim. Je ne suis toujours pas sûre, Dooms. J'ai besoin de ton aide. Donc, tu fais pas ton Ben Cooper et tu es avec moi. L'art de manger de... Grave, c'est des sauts des beaux, tu sais. Votre niveau élevé d'empathie, ok, c'est bon, tu as raison, Dooms. Je vais t'aider à examiner ce couloir. Best friend forever! D'après toi, qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas trop, mais cette affaire a un rapport avec moi, les caves maudites et mon frère. Je dois examiner le couloir de l'étage. Nous devons examiner le couloir de l'étage, tu veux dire. On ira y jeter un œil quand tout le monde sera endormi. Oh, trop cool, une mission nocturne. J'adore ça. Examiner la porte, vas-y. Hop. Yuka, bien, oui, je vais faire campus live de Amour Sucré. On va enfin voir ce qu'il y en a. Ok, on y va, hop. C'est parti. Examinez la porte. Allez. Elle est là. Valentin, je l'ai déjà dit dans une de mes FAQ, ça. C'est ici que Rogue et Ruzar causaient. Je commence à angoisser, Dooms. Si Rogue a demandé à Ruzar d'être Ruzagué, il va pas tarder à revenir. Selon la rumeur, les sanctions qu'il impose aux récalcitrants feraient presque passer Rogue pour un gentil pouf-souffle. Tu es sûr qu'on devrait examiner... Tu es sûr qu'on devrait examiner ce couloir? Fouillons rapidement, alors. Si on agit rapidement et qu'on reste vigilante, tout se passera bien. Ça marche. Je te fais confiance, Dooms. Allez, Dooms, allez, Dooms. De toute façon, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'examiner un couloir interdit à Poudlard. Une seconde, tu as entendu quelque chose au bout du couloir? Selon mes recherches, il y a pas moins de 21 entités terrifiantes susceptibles de déambuler dans les couloirs la nuit. Et ils sont dans une école! Magnifique! Ça, par contre, ça m'a toujours choqué dans Poudlard, c'est que t'as des choses susceptibles de faire du mal aux élèves, quoi. T'envoies pas ton enfant là-bas, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, Dooms? On a intérêt de fouiller cet endroit rapidement. Espérons ne rien croiser d'effrayant. Ouais, tout va bien. On va enfin voir ce qu'il en est de cette glace et de ces caves. Rejoins-moi dans le couloir. Bah ça y est, je suis là. On va commencer. J'étais à 2 cm de toi. Salut, Esther Brush. Salut, Eran. Alors. Examinons ça. Regardez la porte. Je dois entrer dans cette salle. Elle a peut-être un lien avec mon frère disparu. Faire une pause. Ok, bon, bah fais une pause si tu veux. Pas le temps de me reposer. Chercher un secret. Il y a un vent glacial qui vient de l'intérieur, c'est curieux. Fouiller à l'intérieur.
Ce verrou est énorme, il va falloir trouver la bonne clé ou le bon sort. Pas le temps de me... Ouais, on sait... C'est dommage, il n'y a pas plus d'interaction, quoi, alors qu'il y, a... y avait pas mal d'étoiles, hein. Il y a cette question, Issam. Il faut qu'on rentre dans cette salle pour découvrir ce qui se trame. Un verrou impénétrable, une porte mystérieuse et la menace Ruzar qui plane sur nos têtes à chaque instant. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à entrer dans cette salle, Dooms. Je trouverai bien un moyen, mais j'ai besoin de ton aide. Je suis toujours prête à rendre servir... à rendre servir, oui, bien sûr, service, mais... Chut, j'entends quelqu'un. C'est plutôt quelque chose. What the fuck? C'est qu'un chat. Mais non, c'est Mistang, non? Mistang n'est pas un chat ordinaire, Dooms. C'est elle qui prévient Ruzar quand les élèves enfreignent les règles. Coup de pied! Coup de pied dans la gueule! J'envoie Indy, attention, hein. Tu crois qu'elle va aller chercher Ruzar? J'en sais rien, mais il faut mieux se réfugier dans la salle commune. Filons d'ici. Ah, courez! Il faut apprendre le sort pour ouvrir les verrous à l'Omura, je suis sûre. Quoi? Nox en forêt. Ah, j'ai des missions. C'est quoi le truc Nox? C'est une potion? Cours de sortilège? Mmh. On va commencer. S'entraîner à la pause. Vas-y, dis-moi Christina. Comment doit être ma pause? Magnifique, ma chérie. Le chat kawaii. Ta ta ta, j'ai dit ton pseudo. Comment te sens-tu? Dooms fuit un chat. C'est nouveau ça. Ouais, j'avoue que je dis que je vois un choix, je suis là. Ah, petit chat. Vous trouvez pas... je sais pas, je suis sûre que non. Je ne suis pas la seule. Mais vous avez remarqué qu'on prend toujours une voix bizarre quand on parle à nos animaux de compagnie? Enfin, une voix totalement gaga, quoi. C'est dingue. Pourquoi on fait ça? Oh non, je l'ai planté. Attendez, est-ce que si c'est juste le jeu, c'est pas trop grave, je peux le relancer? Si c'est le jeu, c'est pas trop grave. Ça peut être la chaleur qui a fait planter mon... Attendez, je crois que le jeu a planté. Vous allez me voir en gros plan. Boum! Le temps que je règle ça. Hop. J'ai quitté. Parce que le jeu a planté! Et on remercie la chaleur! Je relance, vous inquiétez pas. Petite pause, faites pipi, dépêchez-vous. Allez prendre à boire. Je pense que ouais, le jeu a peut-être planté ou c'est peut-être BlueStack, mon émulateur. Depuis qu'il fait super chaud, j'ai énormément de choses qui plantent pour faire la vidéo, c'est horrible. J'essaie de le rouvrir, en espérant que j'ai pas perdu de dossier. Elle me dit me fait rire. Je ne sais plus exactement, Miss Degu... Ah, c'est Ren, ok, d'accord. Ils doivent me prendre... Bah, moi alors, t'imagines même pas. Avec Indy, c'est horrible. Je parle, mais je suis gaga, on dirait une mère qui parle à son bébé, quoi. Ok, donc du coup, je suis revenue ici. Je remets ça. Ah, alors attendez, je vais avoir plein de notifications de Peter, de tout ce que vous voulez, c'est tous les jeux auxquels j'ai joué. Sauf, du coup, c'est enregistré ou pas? Bah écoutez, on va faire le balai. Espérant que ça plante pas. En cours de vol. Gros plan qui fait plaisir. Ma voix a un décalage. Ça, j'y peux rien. Ventile, le meilleur ami. Ouais, mais j'ai peur que vous l'entendiez, donc je vais pas le mettre. Tu crois, Lyon? Je vais peut-être en mettre un près de mon ordi de la centrale. Allez, c'est parti. Ça va aller les fit. Attends, je regarde. C'est parti. Ça va aller les fit. Moi, je vois pas de décalage, hein. J'y
J'ai mon animal préféré, j'en ai... J'en ai pas non plus. J'aime beaucoup de choses, surtout. Vous avez des bugs? Non, moi j'ai rien. Bah, du moins, c'est pas un bug de connexion. Je vais faire Chimero là, hop. Je vais avoir plein de points de courage. Ah, plus Eran. Non, je me suis trompée, putain. Putain, amélioration nécessaire. Scheisen. Mais oui, je me suis bloquée. J'ai regardé le chat. Moi. Ok. Alors, je vais regarder ma copine. Comment tu fais? Merci Mathieu. Observez. Je suis concentré là. Le gameplay est trop intense pour moi là. Allez! Non, c'est bon. Maintenant, Miss Day, montrez-nous comment vous invoquez votre balai. Hop, debout! Flemmard. Le live s'arrête dans à peu près une vingtaine de minutes. Je fais pas des lives trop longs. Une heure, je pense. Une heure par semaine sur ça, ça va, non? Récupérer. En plus, il fait super chaud, donc vaut mieux. Vaut mieux que j'arrête, parce que je vous jure, je commence à devenir... Boîte de partout. Alors, mon entraînement terminé? Quoi? Mais attendez, c'est quoi cette arnaque? Oh, faut que je le refasse. Bon, on va faire Nox. En espérant que ça bug plus. Narcissique de ouf, tellement. Bon, j'espère que ça va pas bugger. Coucou Sukaina. Vous avez des pseudos, les amis? Veuillez réviser vos incantations, nous nous entraînerons dans un instant. Empruntez les dates, ok. Wouah, Kenshi, non, je pense pas. Ça a été un flop clairement sur ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi je vais continuer, alors pourquoi je vais m'enfoncer encore plus. Et il y avait tellement de youtubeurs qui le faisaient que... C'est pareil, je sais pas si je vais le faire. Je voulais faire des trois Become Human. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, donc... un petit peu dégoûté. Je sais pas si je le fais. Putain, je me suis plantée. Échec. Fatality. T'as mal au vent? Ah, ok. Allez hop. Lister les résultats. Je vais noter les résultats de chaque essai. What the fuck, regardez le nez qu'il a lui. Regardez-moi ce nez. C'est pas possible. Ils ont des têtes les personnages. Je viens de renverser mon encrier sur mes genoux. Allez, moi je veux voir ce qu'il y a dans les caves. Et où j'ai dû recommencer plein de fois des potions ou des sortilèges. Et oui, c'est très chiant. Alors, qui est le professeur d'histoire de la magie? Oh putain, la bonne question. J'ai besoin de vous là. Les pros Harry Potter. C'est pas Bean, je pense pas que ce soit elle, professeur Dumbledore non plus. C'est pas Nikesis en tête, professeur d'histoire de la magie. Il me semble que c'est lui, hein. Vous pouvez m'aider? Aidez-moi! Bientôt, Artico.
C'est Nick quasi sans tête, on est d'accord, Aurora? Bim! C'est Nick. Ah ouais, mais attendez, si vous êtes même pas d'accord entre vous... Bin? Ok, bon, bah je pensais que c'était Nick. Ok. Ah, merci, vous êtes les amours. On voit les pros, là. Oh, regardez-moi cette amitié. On dirait que je l'aime. Yeah, je t'aime. Regarde, c'est abusé. Putain, ah non, deux, j'ai eu peur. Il m'en reste un. Alors, il me reste un partout. Bah écoute, on va recommencer. Hein. Tu fais pas de cours, Nick? Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'est une... Bah à quoi? Eh bah, on est dans une école de magie. Un mort peut nous faire cours, je suis désolée. Ouais, je sais que Nick a dit sans tête, c'est un fantôme. Mais quoi? Et alors, il aurait pu être prof, je suis désolée. Comment on fait pour l'installer sur ordinateur? Sur ordinateur, il faut un émulateur. Moi, j'utilise BlueStack. Stack, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est grâce à ça que je peux vous faire des jeux mobiles. Parce que j'ai... Je sais pas comment on fait pour avoir l'écran de son portable sur l'écran de l'ordinateur sans que ce soit un Mac. Mais c'est qui? Mais c'est qui? J'ai écouté la radio et j'ai pas eu le temps de lire, merci. Prendre des pièces. Répondez à la question. Alors, à qui pourrait le plus profiter le sortilège d'Alomora? Bah c'est un cambrioleur. Ça, je le sais. Mais Dumbledore, avant il était prof, maintenant c'est... Bon, on dit plus professeur Dumbledore. Ouais, c'est vrai qu'on dit professeur, ouais. Pas con. Tu es contente? Allez, on lance le sort. Hop. Aline, oui, j'aimerais beaucoup avoir un chien. Ça, c'est un de mes objectifs, mais ce sera plus en fin d'année. Lancez le sort. Youhou! J'ai autant d'énergie, en fait, parce que... C'est une version craquée! Bim! Ha ha! Tu vas faire quoi? Ça, c'est bon. Allez, dernier cours de ballet, et après, on continue, je pense, notre mission. Petite info, quand tu choisis un cours, tu as trois choix en bas. Tu as 1 heure, 3 heures, 5 heures. Si tu choisis l'un des trois, tu as pas le même nombre d'étoiles à la fin, et tu gagnes plus de trophées de... Ah! Merci, t'es lire ou t'es live. Miko, je t'appelle Miko, hein. Parce que... Tu veux quoi comme race de chien? Je sais pas. J'aime beaucoup la race de chien qu'a Marie Frozen Crystal. Némésis, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Écoutez-moi, chers élèves, je vais vous faire part de plusieurs informations. Nous, on tente de... un live. J'ai pas compris ce que t'as dit. Une fois dans la... Attends. Nous, on tente de vendre notre chien. Ah ouais, j'avais un mélange de deux phrases. Il est trop chou. Pourquoi vous voulez le vendre, Hugo, s'il est chou? Non, c'est pas un berger malinois. C'est un berger australien miniature. Berger malinois miniature. Ouais, c'est un mini berger australien. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Tu nous as trahi. Mais non, j'ai toujours Indy. Je veux un deuxième chat aussi. Enfin bref, je veux trop d'animaux.
Némésis, ouais, c'est ça, je me suis trompée en fait avec. Laisse tomber. Mais bah, de rien, Clem. Maintenant, voyons voir si vous m'avez bien écouté. Qui peut répondre à cette question? Quelle partie du corps de Madame Bibine est jaune? C'est quoi cette question qui n'a rien à voir avec un cours là? Madame Bibine. Les amis, aidez-moi, je sais pas. Je sais pas, dites-moi, je. C'est pour, celui, pour les fans. Saucisson, c'est en. Oui, il y a de fortes chances que la suite arrive bientôt. Quand ça vient en Tunisie, c'est magnifique. Pourquoi pas goûter un jour? Tu peux twerker? Absolument pas. Ses yeux, ses têtes. Oh putain, vous êtes. Vous êtes sûr, ses yeux? Ok. Bah, bien joué. Putain, j'ai des fans! J'ai the fan de Harry Potter! Je sais même plus quelle tête elle a, Madame Bibine. Ah, mais c'est elle, Madame Bibine. Je suis complètement à l'ouest. Mais attendez, non, mais... La meuf, elle pose une question sur elle-même. Non, mais... Really, les gars, là, vous êtes vraiment, les gars, vous êtes les développeurs, vous êtes cons ou quoi? Mais c'est n'importe quoi. La meuf, elle a posé... C'est comme si... Bon, les amis, quelle est la couleur des cheveux des Dooms? C'est bon. En plus, elle parle d'elle à la troisième personne, c'est débile. Putain, mais oui, Bibine, c'est elle. Putain, écoutez tous... Je vais vous montrer les bonnes techniques des voix. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Et en plus, elle est hyper narcissique pour... On est en... Putain, on est en cours. On étudie, la meuf, elle parle d'elle, quoi. Putain, que je suis con. Putain, j'ai même pas fait gaffe. C'est n'importe quoi comme question. On s'en bat les couilles de ses yeux. Naruto. J'avoue, putain. Avec les cheveux qu'elle a, les cheveux creux. Ouais, j'avoue, on aurait dû, ça aurait pu être Naruto. Mais on aurait eu un cours avec Naruto, j'ai envie de dire. Je ne suis pas brunée, non. Je suis châtain clair. Mais vu que j'arrête pas de faire des colorations dégueulasses, il ressemble plus à rien. Vous ferez une chute douloureuse si vous perdez votre concentration. Se concentrer. Alors attends, je vais y arriver. Ah putain! Mais c'est pas possible, j'ai loupé tous les trucs là. Je suis saoulée. Regarde quand même, regardez quand même, regarde, elle va me bouffer. Bon, alors. Bah c'est bon, j'ai fini là, mais dis pas que je dois recommencer. Oh, really? Mais c'est pas possible! Commencer 3 heures, je peux pas choisir là. Hein. J'ai quand même des magnifiques cheveux. Le sortilège opposé à Lumos et Noxus. Ok, d'accord. Nyax! Tournez les pages. Eran, tu veux un berger allemand? Putain, ouais, tu veux pas un petit chien, hein? Tu veux vraiment le gros truc, quoi. La dépression sur son visage. J'en ai marre des cours! J'ai jamais été scolaire. Mon live s'arrête, bah, je sais pas, bientôt. Attends, petite astuce encore, quand tu dois te concentrer, c'est pas le fait d'appuyer qui arrête le cercle, c'est le fait de relâcher le bouton. Ah putain, mais Telly, mais t'es... Miko, t'es trop fort. Ou t'es trop forte, je... voilà. Prends aussi les livres ou l'argent. L'argent, j'en ai beaucoup, regarde ma monnaie. J'avoue que, ouais, je vais peut-être prendre un peu plus de savoir. Alors, attends. J'étais presque. J'étais presque, putain. Ça veut pas, hein. Je vais à Niguan. Je suis un coach, un retriever. Qui veut un chihuahua? Vous vendez des animaux? C'est un chien très facile et hyper gentil qui vit très longtemps.
Ouais, mais c'est énorme, hein. Faut le caser, hein, ton berge allemand. Je vais écouter les autres. On va prendre du savoir. J'en ai pas beaucoup de savoir. Une prochaine fois, peut-être. Je vais y arriver. Attends. Oui! J'ai réussi! Eh, regarde. J'ai réussi du premier coup, hein. Ouais, si, du premier coup, je te jure. Réviser les effets de Nox. Nombreux ce sont qui se fourvoient sur l'utilité du sortilège d'extinction de la baguette. Lisez le tableau. Ok. Je discutais avec tout le monde. Les chihuahuas, c'est... Non, c'est pas nul, les chihuahuas. Il y en a qui aiment. Incroyable, elle a réussi. Oh putain. Wouh! J'ai réussi. Eh ouais, vous êtes fiers de moi, monsieur. Ouais, j'avoue, par contre, les fringues, ils sont pourris. Hein. C'est pour ça que je garde mon uniforme, parce qu'en soi... Salut Jason. Je suis à cochon d'aide. Ok. Moi, Bergin, ils sont trop mignons. Le bulle terrier. C'est pas mal les bulles terriers aussi. Je suis en train de mourir de chaud. Je pense que vous êtes prêts à faire un essai. Tentez donc de lancer Nox. Il reste combien là? Une étoile? Ah, ça va aller vite. Hop. Yes. Je vais prendre... J'ai beaucoup d'empathie. Je suis pas trop fan des Fox Terrier. Oh, ok, d'accord. Wouhou! Oh, Husky, j'aimerais tellement Husky, mais niveau de l'éducation, piou! J'ai déjà des motos! Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les races comme ça. J'hésitais sinon avec un Finnois de Laponie. J'aime beaucoup aussi. Mais c'est plus rare à trouver, quoi. Bon, allez, le balai, c'est fini. Ah, j'avoue, dis donc, t'as une bonne réflexion, Arwen. Comment ça se passe, du coup, si on est chez Serpentard? Ah, Merula. Parce que, du coup, je fais perdre des poids aussi à Serpentard, à Merula, quoi. Et voilà, je dois nettoyer mon balai. Vive la vie. On va faire ça en accéléré. Hein. Moi, j'ai un rat. Il paraît que les rats, c'est des animaux de compagnie adorables, quoi. Très intelligents, en plus de ça. Wow. Bonjour, nous sommes des pauvres... Des pauvres esclaves. Des poudlards. Ah ouais? Ah bah merde. Alassane. Bon bah tant pis, tout le monde s'y met. Hein. C'est chiant. Bah ouais. Mais du coup, Merula, on s'en prendrait aussi à Merula, quoi.
Ah, les border collies, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime les chiens, quoi. Alors, que devez-vous dire pour que votre balai arrive dans vos mains? Bah, c'est debout. Demonstration. Alors, hop. J'ai trop chaud. Bon, putain, c'est abusé quand même. Pff, laver nos balais, là. Alors, attendez. Oh, j'ai chaud. Oh, God. The Visitor. Ça me dit quelque chose, le Visitor. Debout, debout, mais debout. Que tout le monde connaît cette... On connaît... Ouais, on connaît tous au moins une scène de Harry Potter. On répète sans cesse. Dès qu'on parle d'Harry Potter. Sky, oui, pourquoi pas, je sais pas encore sur quoi. Wouhou! Allez. J'ai encore un peu de mal, hein. Tu sais, Harry Potter, il a fait une fois et basta, mais alors elle, putain, pour que ça rentre dans sa tête. J'arrête pas de le dire, mais ça marche pas. Une fois ça marche, après non. Regarde, regarde Penny, là. Let's go. Doomspotter. Yes. C'est bon. La scène de Ruzard. Vous avez tué ma chatte. Vous avez tué ma chatte, Monsieur Potter. J'ai rien fait, calmez-vous. Ah, chapitre 7, la pièce verrouillée, une pièce verrouillée, Ruzard, un mystère, vous devez trouver un moyen d'entrer, nanana. Du coup, j'ai quoi faire? Va falloir faire des efforts pour récupérer tous les points de maison que tu as perdus. On va aller voir de spy un peu. Oula, ça a bugué. Ah! What? Ok. Alors, tu voulais me voir? Dis-moi que tu n'as pas fait perdre 20 points supplémentaires à Gryffondor. Vas-y, je veux dire, je t'inquiète pas, je vais les récupérer. Je te promets, t'auras ta drogue. Y'a intérêt, tes mauvais choix ont déjà coûté très cher à Gryffondor. À cause de toi, on n'a aucune chance de remporter la coupe des 4 maisons. Tu peux faire quelque chose pour... je peux faire quelque chose pour réparer mes erreurs? Sois assidu en cours, fais tes devoirs et remue-toi pour nous faire gagner des points. Et même si c'est difficile pour toi, essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Je vais faire de mon mieux. C'est pas assez. Tu as cours de potions et cours de sortilège aujourd'hui. Il faut que tu arrives à l'heure en cours et que tu rapportes des points à Gryffondor. C'est quoi ça? J'ai choisi mes livres préférés sur le vol pour aider Ben à surmonter sa peur. Rejoins-moi dans la salle, nana. Et c'était quoi? Et terminé, j'ai des leçons à faire. Et les amis, on va s'arrêter ici! J'ai tellement hâte d'en savoir un peu plus sur les caves maudites, je ne sais pas vous. Ah, si on pouvait... Tchou! Balayer toute cette partie de cours, je m'intéresserai juste à l'histoire elle en elle-même, quoi. Oh, elle chante, mais Angélica, bah elle est grave sur ses points, là, elle. Ah, bon, j'espère que ce petit live, enfin ce live d'une heure, quand même, vous aura plu. On se retrouvera sûrement jeudi prochain pour la suite d'Harry Potter. Je pense qu'on va fonctionner comme ça. Ça me plaît bien. Alors là, je vais y arriver à faire un live par semaine, déjà, au moins. Donc voilà, les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve demain en vidéo. Et aussi vendredi. Et peut-être samedi. Et peut-être dimanche. Et peut-être lundi, mardi. Enfin bref, comme d'habitude. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Allez, ciao.